sommes à la campagne une fois de plus. Et cette fois-ci, ça tombe bien, car si comme moi, vous êtes une amoureuse de la nature et une adepte des cuissons en extérieur, la saison qui arrive est idéale pour faire des grillades. C'est le thème du jour. Alors c'est vrai que depuis le jour où Prométhée a dérobé aux dieux le feu sacré de l'Olympe, eh bien l'homme aime à cuire la viande, les poissons, les racines, et il a domestiqué le feu et s'est rassemblé autour de lui, avant de se rassembler autour d'une table. Le feu a permis à l'homme d'apprendre à cuisiner, et la cuisine au feu reste l'un des actes fondateurs de notre évolution. J'ai donc choisi aujourd'hui de m'en griller une. Une quoi ? Une belle pièce de viande, bien sûr, ou pourquoi pas de poisson. Et si la plupart d'entre nous s'en tiennent aux merguez chipot ou aux côtelettes d'agneau, vous allez voir que pour certains, l'art du barbecue s'apparente à un sport de compétition. Notre voyage nous emmènera en Auvergne pour rendre visite à un ancien coutelier devenu maître dans l'art de la saucisse au couteau. Alors la saucisse, moi je la pique pas. Il y a très peu de gras, c'est du bon gras, on va essayer de le conserver à l'intérieur justement. Avant de rejoindre le Libournais, où nous découvrirons des méthodes de cuisson qui utilisent les sarments, qui sont très répandus là-bas, bien sûr. Et enfin, comme dans chaque émission, je mettrai un chef au défi. Il s'agira cette fois-ci de Stéphane Reynaud, un petit-fils de boucher charcutier qui a appris à maîtriser non seulement les flammes, mais aussi l'art des cuissons au barbecue. Donc là, elle commence juste à fondre la pomme. Ben voilà, ça a l'air juste parfait. Nous irons donc de feu de bois en barbecue, en démarrant par la région parisienne où l'on peut apprendre l'art de tout griller. Puis nous nous dirigerons vers la Champagne pour quelques recettes de compétition. Sur l'île de Beauté, nous ferons de la cuisine sauvage, du plateau de Couchionne aux plages de Bonifacio. Puis nous goûterons aux charcuteries artisanales et montagnardes en plein massif auvergnat. Enfin, dans le vignoble de Listrac-Médoc, dans le Libournais, nous cuisinerons grâce aux sarments de vigne. Allez, pour l'instant, direction le Pays de Blaye, au bord de l'estuaire de la Gironde, pour découvrir un produit emblématique de la région. Ici, c'est l'anguille qui est cuisinée le plus simplement possible. Installée dans le Carlet, cette petite cabane de pêcheurs sur pilotis de mon ami Pascal, viticulteur de la région, nous sommes rejoints par Jean-Pierre Xiradakis, notre fameux restaurateur bordelais. Le charme du lieu, j'imagine. Ouais. Donc, t'as vite fait de... Ah ! Oui ! Hey, ah, Jean-Pierre ! Le voilà ! Monsieur Fugier ! Ah bah, on discute, hein ! Pas blague, à défaut de pêcher grand-chose, toi, t'as pêché des belles anguilles. J'ai pêché rien du tout, qu'est-ce que tu nous amènes ? Tu vas bien, Pascal ? Ça va, Jean-Pierre, super. Ouais. Et alors, comment on va les faire, ces anguilles ? Ben écoute, moi, j'ai une recette, une vieille recette qui s'appelle l'astrade, une brochette d'anguilles, avec du lard. Oh, oh, ça doit être du bon, ça, en plus. Ouais, ouais, ouais. C'est du lard. C'est somptueux. Port noir de Bigorre. Alors, on y va ? On commence, peut-être ? Ben oui, oui, on va. Oui, oui, oui. Alors, c'est là le petit coin de paradis ? Voilà, c'est voilà, on va s'installer. Ah ouais, ouais, ouais. Excellent. Toi, tu l'as déjà faite, Pascal, cette recette ? L'astrade, tu connaissais pas ? Je la connaissais, mais je n'ai pas fait. D'accord. C'est une recette du Blayé, ils sont trop loin de Blayé, ils sont dans le Médoc. Et alors justement, pour cette recette, il faut plutôt des petites anguilles, parce que ça, c'est des petites, hein. Ah, elles sont belles, quand même. Non, mais on n'a pas des grosses ici, non. On a des anguilles normales, nous. Non, mais sincèrement, entre nous, les petites en persillade ou en brochette, et les grosses plutôt fumées ou alors en matelote, bouillie. Je m'en fous. Ça, c'est charentais, c'est pour ça, en fait. C'est pas reconnu dans la région. Non, mais la matelote, c'est bon. L'anguille a une particularité, c'est qu'une fois que tu lui as coupé la tête, elle vit encore pendant une demi-heure. Eh oui, c'est plein de terminaisons nerveuses. Non, mais ça bouge, ça bouge. Comme ça un bouge. Serpent. C'est incroyable. Je peux commencer à embrocher ? Si tu veux. Alors, comme ça ? Vas-y, ou oui. Comme ça ? Parfait, comme ça. Comme ça. Ah, dis donc. Te blesse pas ? C'est super. C'est super dur. C'est super épais et rigide. Tu sais, ce que j'aurais bien aimé avoir, c'était un petit pic en fer, j'aurais pu faire un prix. Un avant-trou. Parce que là, je vais me faire un avant-trou dans le doigt, ça va pas tarder. La prochaine fois, j'amène une perceuse. Hop. Et regarde, ça y est, moi, j'ai pris le rythme. Mais t'as pris le rythme sur le lard. Bah non, j'ai fait déjà 3 brochettes. Et combien de temps tu le fais cuire ? À peu près, pas très longtemps. Eh bien, chez vous, si vous voulez refaire la recette, débrouillez-vous, hein ? Mais non, mais pourquoi tu vas donner la recette ? Il faut déjà des anguilles. Pas la donner. Il faut un bateau, un pêcheur. Un mec qui trouve les anguilles. Un mec qui fait des trous dans les anguilles à la perceuse. Aïe. Aïe.
Plus sérieusement, nos brochettes d'anguilles passent au grill une dizaine de minutes. Pour cette astrade d'anguilles, il vous faudra, en plus d'un peu d'huile de coude, 1 kg de tronçons d'anguilles vidés et pelés, 600 g de bon lard salé, du sel et du poivre. Ah, voilà le reste de la troupe. Des amis de Pascal nous ont rejoints entre-temps pour profiter du site et du pique-nique qui se prépare. Ça va bien. Là, c'est un peu l'atelier anguilles. Ah, super. Vous aimez ça? Ah, j'adore. C'est incroyable, tous ces gens qui aiment l'anguille, parce que moi, j'en rencontre nulle part. Sauf allez. Ici. Aussitôt prête, notre astrade d'anguilles voilà. Est dégustée par l'assemblée. Voilà. Bon, alors ces anguilles, ça plaît à tout le monde? Oui, alors, bien c'est moi, je me régale. Ouais. Ouais. L'intérêt à dire que c'est bon, hein, le jus dedans, c'est bon. La peau bien cuite, c'est croquant, c'est bon. Ah, tu vois, c'est ouais. Bon, hein, qui quand veut du blanc. Comme ça. Moi, j'aime bien. C'est vrai que c'est très fin. C'est fin avec le lard, c'est délicieux, ça assaisonne bien. Cette première expérience de grillade sauvage augure un voyage rempli de produits inédits et de cuisines inattendues. L'habitude de faire des grillades plutôt l'été, en tout cas d'attendre le soleil pour sortir le barbecue. Mais il y en a un qui brave le vent, la neige et qui, quel que soit le temps, cuisine tout au barbecue. Et tout y passe. La viande bien sûr, mais aussi les poissons, les coquillages, les crustacés, les légumes, les fruits et même les desserts. Tout est cuit au barbecue chez lui. Il n'y a pas de limite. Il s'appelle Alexandre Urson et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il aime jouer avec le feu. I've been searching all of my days, all of my days. Many a road, you know, I've been walking on, all of my days. And I've been trying to find. Alors, on va allumer le barbecue. Sa pièce préférée de la maison n'est pas le salon, mais sa terrasse. Car quelle que soit la saison, il passe beaucoup de temps au grand air. Dès qu'il y a l'opportunité de cuisiner en extérieur, je le fais. L'année dernière, en 2015, j'ai quand même fait 203 barbecues. Je suis vraiment mordu, c'est-à-dire que c'est vrai que la semaine, je vais plutôt avoir tendance à utiliser un barbecue à gaz, puisque c'est très pratique. En 2 minutes, il est allumé, donc je peux faire mes cuissons. Alors que le week-end, bah, comme j'ai un peu plus de temps, j'utilise le charbon et puis c'est le retour un peu à l'authentique, vraiment lâcher prise le week-end. Ce Haut-Marnais, fan et pratiquant du football américain, s'est pris de passion pour les barbecues lors d'un séjour aux États-Unis en 2005. À force de pratique et d'imagination, il se retrouve en tête du championnat de France de barbecue, car oui, il en existe un, créé en 2013. Ce qui est intéressant pour moi qui suis simple amateur, c'est de côtoyer aussi des professionnels de la cuisine. Ça nous emmène vers le haut et puis ça permet d'avancer et puis d'être créatif. Chaque année en Camargue, une centaine d'équipes vient s'affronter autour de recettes à réaliser au grill en 2h30 top chrono. Les juges y apprécient avant tout la cuisson, le beau marquage des produits et leur saveur fumée. Pour la prochaine édition, ils testent une variation autour du carré d'agneau. L'idée, ça va être de clouter le carré d'agneau avec un petit pesto de pistache. Donc afin de le clouter, en fait, ben, j'ai mis mon pesto dans une paille que j'ai congelée. Un petit bâtonnet, je l'ai réinséré dans le lardoir. Et le lardoir va me permettre de piquer l'intérieur de mon carré. Et de laisser à l'intérieur mon petit bâtonnet de pesto, ce qui fait que tout à l'heure, quand on va découper, je vais avoir un beau petit point vert en plein milieu. Alexandre arrose le carré d'agneau avec de l'huile d'olive, puis réalise une croûte de pistache avec 3 cuillerées à soupe de fruits secs concassés, une gousse d'ail, un peu de persil plat et de la roquette. C'est ce qu'on trouve dans le jardin actuellement. Quelques zestes de citron. Il termine par 2 cuillerées à café de parmesan râpé avant de hacher le tout. Voilà. Il faut que ça reste grossier pour avoir un petit peu de croquant de la pistache. Le barbecue est lancé, monté en température grâce au charbon. Le roi du grill délivre ses conseils. Moi, j'utilise
ce genre de boulette, puisque ça me permet d'avoir une chaleur constante entre 180 et 220 degrés. Et surprise, il associe l'eau et le feu, créant ainsi deux zones de cuisson bien distinctes. Ici, je vais avoir une cuisson directe, puisque je vais poser l'aliment directement en contact de la source de chaleur. Et ici, je poserai mon carré, une fois qu'il sera recouvert de la croûte de pistache, sur la partie de la barquette d'eau, puisque ça sera une cuisson indirecte. Puisqu'en fermant le couvercle de mon barbecue, je transforme mon barbecue en four à chaleur tournante. Voilà ce bruit que j'adore. Ne piquez pas avec une fourchette une viande, puisque toute la saveur en fait s'en va, toute l'humidité va partir, et c'est ce qui va assécher une viande. Il répartit la préparation de pistache sur la viande avant de passer à la deuxième cuisson. Donc c'est parti pour une petite demi-heure en cuisson indirecte. Alexandre, qui a déjà été médaillé pour ses cuissons de poulet, de porc et de légumes, espère bien étendre son palmarès. Le bœuf et l'agneau, donc oui, ce sont les objectifs. Le taureau de Camargue, bon, pour un champenois, on va pas trop les titiller, les camarguais, mais oui. Inutile de vous dire que la terrasse d'Alexandre est très demandée les week-ends, et moi je comprends ses amis. Alexandre n'est pas le seul à avoir été piqué par le virus du barbecue. La cuisine au grill et en plein air est devenue une discipline à part entière que de plus en plus d'amateurs souhaitent maîtriser. C'est pour eux que la Grill Academy a ouvert ses portes il y a 6 ans aux abords de Paris. Les gens veulent vraiment s'amuser, changer peut-être de la cuisine qu'ils ont l'habitude de faire au quotidien et de se mettre à la cuisine extérieure qui a beaucoup d'avantages finalement parce que la cuisson est un peu plus rapide et c'est surtout que quand on fait vraiment un barbecue, on reste avec ses amis avec ce mode de cuisson. On n'a pas besoin d'être à la cuisine et on n'a pas les odeurs dans la maison, ça c'est plutôt sympa aussi. On peut cuisiner de l'entrée au dessert, il n'y a pas de limite, on peut faire son pain, ses croissants, on peut tout faire. Les cuisiniers du jour vont donc confectionner un menu 100% barbecue, notamment un saumon fumé sur une planche de cèdre et une pièce de bœuf en croûte de sel. Toutes les recettes qu'on fait, elles peuvent être faites sur le charbon ou sur le gaz ou sur l'électricité. Il n'y a pas de problème d'énergie. Je vais vous montrer comment on allume un barbecue au charbon. Donc là, avant que vous arriviez, j'ai préparé les cheminées d'allumage. Le cylindre, il y a une grille. On met un allume-feu en dessous. On met le charbon et par appel d'air, la braise vient plus rapidement en 20 minutes. Les braises fin prêtes, Vincent entame son cours magistral. Il faut toujours prendre l'habitude de bien brosser sa grille avant de mettre à cuire. Et après, hop. Donc là, on va la faire saisir 5-6 minutes de chaque côté. Et on prend toujours l'habitude de fermer le couvercle. Ça cuit plus vite, il y a plus d'humidité, donc la viande va être plus moelleuse. Et surtout, on va appauvrir en oxygène, il n'y aura pas de flamme. En revanche, on ne ferme jamais en haut quand il y a quelque chose qui cuit, parce que si on ferme en haut, on va étouffer, il y aura trop de fumée à l'intérieur. Ça va faire trop de condensation. Une fois la pièce de bœuf marquée au grill, puis refroidie à température ambiante, Vincent l'enrobe d'une pâte de sel aromatisée au thym et à l'ail. Il la replace sur le barbecue pour une cuisson lente cette fois-ci. Pendant ce temps, la classe s'attelle aux pavés de saumon qui vont être mis à mariner dans du sirop d'érable et des herbes. Donc on est généreux, on ne mettra pas tout après, c'est juste pour que ça marine bien. Ça va rendre le saumon un peu plus moelleux. Après, on va mettre la nette par-dessus. Ils seront cuits sur des planches de cèdre, volontairement humidifiées durant 2 heures, pour transmettre aux poissons leur parfum en chauffant. Pas besoin de les surveiller, elles vont nous appeler parce que quand elles vont commencer à sécher et qu'elles vont commencer à brûler, elles vont crépiter un peu comme un feu de cheminée, donc on va pouvoir les retourner. Bien lissées et non traitées, ces planches se trouvent dans tous les magasins de jardinerie. Donc là, vous voyez, ça fume aussi, ça crépite. Donc, elles noircissent. Donc là, ne bouge pas. Quelques minutes plus tard, le saumon est fumé à point et la meilleure partie de l'atelier peut commencer. Là, on sent tous les arômes.
Grâce à cette cuisson, la viande et les légumes sont particulièrement savoureux et ont eu l'avantage de griller sans ajout de matière grasse. Comme promis, même le dessert est réalisé au barbecue. Du pain perdu assorti de fraises crues, juste saisies sur le grill pour être légèrement caramélisé. L'école montre l'étendue sans limite de la cuisine de plein air et offre un espace inédit pour des barbecues citadins. Mais c'est en pleine campagne que je pars maintenant réaliser ma prochaine recette. Allez, nous voici à présent dans l'Aube, chef-lieu de département 3, c'est ça. Et effectivement, c'est à côté de la ville d'Édouard Herriot, ancien président du Conseil, que nous avons rendez-vous, et plus précisément dans une forêt située à quelques pas de là, qui s'appelle la forêt d'Orient. On va y cuisiner du collier d'agneau, mijoté cette fois-ci, avec des haricots de Brévonne. Ce sont des petits haricots secs qui, pendant longtemps, ont été très célèbres dans les milieux gastronomiques, parce qu'ils étaient notamment servis à la Tour d'Argent. Bon, aujourd'hui, leur production est devenue quasiment confidentielle, puisqu'il n'y a plus que deux producteurs à Brévonne. Nous, c'est Mathias qui va les cuisiner, avec de l'agneau mijoté, mais à cela, il rajoute des côtelettes d'agneau, au barbecue évidemment. Bonjour Mathias. Bonjour Julie. Ça va bien? Ça va bien. Allez, on se ouais. Deux ou trois dans la région? Quatre, cinq, six. T'es installé là depuis longtemps? Depuis une dizaine d'années. Qu'est-ce que tu fais? Je suis éducateur à l'environnement, j'accueille des classes, des groupes d'adultes, je les emmène en forêt. Sur les lacs? Sur les lacs, partout, pour découvrir tous les domaines liés à l'environnement et à la protection de l'environnement. Et tu cuisines? Et je cuisine aussi. Tu me montres ça? Tout de suite. Allez. Pardon. Ah oui, le bois est à l'extérieur et aussi à l'intérieur de la maison. Oui, oui, c'est une maison en pan de bois, comme beaucoup ici. Oui, c'est une particularité locale. Et autre particularité locale, les haricots de Brévonne. De Brévonne, avec plusieurs variétés. Depuis un siècle, on cultive le haricot sur Brévonne et les communes alentours. Alors, il n'y a pas que du haricot. Moi, je vais enlever ça. Alors, tu veux que je fasse quelque chose? Parce que là, je suis tout devant les oignons. Voilà, j'ai commencé, j'ai pas fini. Ouais, si tu peux les émincer. Les émincer. Petit bol, ok. Très bien. Finement ou? Non, grossièrement. Grossièrement. D'accord. Voilà. Et alors, cette recette, elle vient d'où? C'est toi qui l'as inventée? C'est une recette de famille? Alors, elle est plutôt du village. Par contre, la vraie recette aux haricots de Brévonne, elle se fait avec du cochon. C'était la potée. Des haricots de Brévonne aux queues de cochon. Moi, j'ai préféré mettre de l'agneau parce que ici, vraiment, il vient de tout près. Mmh. Et l'agneau est excellent. Avant de nous lancer dans la grillade des côtelettes d'agneau, nous débutons par le plus long, la cuisson des haricots qui ont trempé une nuit durant. Rincés, ils peuvent être mis à mijoter pendant 40 minutes dans un grand volume d'eau, avec un oignon piqué de clous de girofle et un bouquet garni composé de persil, de romarin, de thym et de laurier. Parallèlement, nous faisons dorer le collier d'agneau dans une huile bien chaude. Donc là, on les fait revenir dessus-dessous et après, on change. Voilà, on peut les mettre dans l'assiette, voilà. D'accord. Et on salera, poivrera à la fin, après. Alors une fois que c'est bien doré, on peut les mettre sur l'assiette à côté et mettre notre oignon. Nos gousses d'ail et le coulis de tomate fait maison. J'y vais pour les oignons. On y va. Et on rajoute le coulis. On y va.
Et là, on peut mettre la viande. Là, dans un quart d'heure, 20 minutes, on va mettre nos haricots. Pour mitonner quelques côtelettes et un collier d'agneau aux haricots de Brévonne, Mathias recommande de prendre 6 tranches épaisses de collier d'agneau, 6 côtelettes d'agneau, 600 g de haricots secs de Brévonne, 4 gousses d'ail, 2 gros oignons et 4 clous de girofle, 30 cl de coulis de tomates maison si possible, 3 branches de romarin et 4 de thym. Une fois que les haricots sont ajoutés, comptez encore 40 minutes de cuisson, le temps pour Mathias de lancer son barbecue pour nos côtelettes. T'as sorti tes petites côtelettes? C'est ça, on va les faire griller. Ça marche. On n'a pas pour long. Dis donc, c'est pas mal ton système là. Ah, tu ne connais pas le barbecue? Barbecue vertical? Oui. Alors, il existe. Pour un pas peu que partout, ça. Mais... Que les graisses brûlent, c'est voilà, ça? Voilà, là c'est beaucoup mieux pour la santé. C'est pas mal ça, dis donc. Voilà. On referme. Ouais. On dessert. Là, c'est du grillé qu'on veut, on va rapprocher. C'est malin, ça. Bon, les pompiers sont pas très loin, ça va. Ouh, c'est beau. Magnifique. Moi, c'est tout ce que j'aime. Les plats mijotés. Les mettre là. Voilà. Un alliage d'agneau mijoté et grillé qui révèle toutes les saveurs possibles de cette viande. Et voilà. Ah, je sentais bien qu'on allait passer un bon moment dans ce jardin. Voilà, bon appétit. Ouais, merci, toi aussi. La petite côte, on peut la manger avec les doigts. Avec les doigts, tu parles. Je vais commencer par la partie mijotée. C'est bon avec la tomate, hein? Oui. Est-ce que ça apporte un côté un peu sucré? Ça donne un peu plus de goût, oui. Qu'est-ce qu'ils sont bons, ces haricots? Parce que, effectivement, la peau est fine et ils sont pas farineux. Non, ils tiennent non, bien pas en farineux, bouche. Hein. Ouais. Et c'est vrai que le collier, qu'est-ce qu'il est tendre, cet agneau? Oh là là, c'est incroyable, on dirait du beurre. Très bon. Non, c'est agréable parce que. T'as vraiment, c'est pourtant la même viande, mais ce ne sont pas du tout les mêmes morceaux et pas la même cuisson, donc on a vraiment un contraste. Voilà, qu'on peut faire toute l'année avec l'haricot sec. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux. Requinqué, je prends déjà la route avec Micheline, direction l'Auvergne cette fois-ci. Tes cheveux dorés ne peut s'imaginer même le blond des blés. On vient de le voir, on peut tout cuisiner au barbecue, mais le produit phare, ça reste quand même la saucisse. Et pour cela, j'ai eu envie de rencontrer Emmanuel Chavassieux, c'est un artisan charcutier, et on peut dire qu'il est passé maître dans l'art de la confection de la saucisse aux herbes. Il sélectionne des cochons élevés en Haute-Loire, en attendant d'avoir d'ailleurs un petit cheptel à lui, et il fabrique en Auvergne ses fameuses saucisses au couteau, qui méritent, à mon avis, vraiment le détour. Comme à l'heure des premières crues qui te faisaient chanter. Oh là, oh là. Emmanuel Chavassieux, qui a déjà plusieurs vies à son compteur, photographe puis coutelier, s'est installé en 2010 dans ce haut lieu de la tradition charcutière. Ayant appris les rudiments de la profession sur le tard, il se laisse guider par son imagination foisonnante. Je ne me suis pas du tout inspiré de la tradition auvergnate ou toulousaine ou montbéliarde. Je ne suis pas dans un système de copies ou de choses comme ça. En fait, j'ai vraiment envie de faire quelque chose qui m'est propre et de créer mes propres recettes. Dans son atelier, Emmanuel nous livre ses secrets de fabrication. Là, on peut voir que la viande est découpée au couteau, c'est-à-dire que c'est que des morceaux, ça n'est pas haché. C'est très important pour la texture. C'est du jambon. Et le gras, c'est de la bardière, donc c'est le meilleur gras du cochon. Alors à partir de là, on va mettre les ingrédients, le sel, le poivre, toujours la même base, hein, c'est du sel de Millac qui n'est pas nitrité, absolument naturel. On va mettre du poivre blanc de Malabar. Ensuite, suivant les saucisses, on va mettre les ingrédients différents.
Le nitrite de sodium est un produit de synthèse largement utilisé en charcuterie pour conserver et fixer la couleur de la viande. Mais Emmanuel préfère travailler le plus naturellement possible. Il en va de même pour ses herbes et condiments sélectionnés avec soin. De la sauge, des tomates séchées, de la menthe et de la ciboulette bien fraîche, finement coupée. Et il ajoute même un dernier ingrédient un peu surprise. On a le robinet magique, le robinet à vin naturel. Il est là, devant vos yeux. On mélange tout ça en même temps, ça, ce qui fait que la viande est marinée dans du vin naturel. C'est très important. Ça va attendrir la viande, ça va amener un goût plus riche en fait à la saucisse. Souvent dans l'industrie, on met de l'eau pour alourdir le produit. Et moi, je me suis dit, on va mettre du vin. C'est beaucoup plus intéressant. Donc, et quitte à mettre du vin, je vais mettre du vin naturel qui vient de chez mes copains. Tous ces ingrédients mélangés dans une turbine sont enfin embossés dans des boyaux de porc. La meilleure façon de cuisiner les saucisses fraîches, évidemment, c'est le barbecue. Il n'y a pas mieux. Celui d'Emmanuel à proximité de l'atelier est toujours prêt à l'allumage. Alors la saucisse, moi je la pique pas. Il y a très peu de gras, c'est du bon gras, on va essayer de le conserver à l'intérieur justement. C'est ce qui va participer à la cuisson et au moelleux. Si on pique, le gras va fondre, va partir. Et comme c'est très riche en maigre, ça va être trop sec. À la poêle, on va être obligé de mettre un peu de gras, un peu de beurre, un peu d'huile, un peu... Au barbecue, on met rien. Donc c'est ce que je préfère. C'est un barbecue qui est en céramique, qui est une forme d'œuf. Hop, on ouvre le tirage. Et ça, il y a une inertie pour la chaleur, une montée en température assez haute. On le contrôle assez bien. C'est formidable. Travailler avec ça, c'est super. Et la bonne odeur attire vite la compagnie. Hola Michel, tu as mangé un bout de saucisse ? Pour ceux qui n'ont pas la chance de faire partie du voisinage, toutes les variétés de saucisses sont vendues dans les bons bars à vin ou épiceries fines de nos régions. Mais un petit coup de fil à Emmanuel pour lui en commander directement fonctionnera aussi très bien. C'est à toi de goûter maintenant. Bon, nous, on reprend la route, mais je dois vous dire que ces charcuteries me rappellent une randonnée en Corse, un moment exceptionnel, où nous avions bravé le vent, la tempête, la neige. Ça se passait sur le plateau du Couchionne. Et après une belle balade en montagne corse, mon guide de haute montagne, Jean-Paul Kulitsch, m'avait ouvert les portes d'une bergerie, celle d'Antoine, qui nous avait préparé le célèbre, l'incontournable figatelle, une fameuse saucisse fraîche à base de foie que l'on ne trouve qu'en Corse. Et je dois vous dire que ce moment fait vraiment partie de mes très beaux souvenirs. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Oh, Jean-Paul, bonsoir. Elle court dans la Bonsoir. Bonsoir, Julie. Bonsoir, Antoine. C'est les naufragés. Ça fait plaisir bonsoir. Que vous soyez là. Eh ben nous aussi, voilà. On est contents d'être arrivés, hein. Ouh là là! Et alors racontez-moi Antoine, ici c'est votre abri, refuge, bergerie, c'est ça? C'est ici, ici. Et vous êtes berger? Oui, je suis berger. Et vous gardez quelle bête? Des brebis. De lait. D'accord. Ça veut dire que vous vivez combien de temps ici? Fin juin, début juillet, jusqu'au 15 au 20 octobre. Mais c'est vachement courageux quand même, parce que là, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante. Ça fait l'électricité. Moi, quand j'étais gamin, je n'avais pas d'électricité. Ça ne vous manque pas, oui, mais aujourd'hui, vous l'avez. Non, mais quand en pleine, oui, je l'ai. C'est plaisant de temps en temps de vivre comme on vivait à l'ancienne. Ouais. Antoine, il est passionné par les bêtes, il est passionné par sa vie. Oui, mais l'eau courante, on peut être passionné par les bêtes et avoir l'eau courante, tu vois. Mais l'eau courante, il y a le ruisseau, là. Le courant, mais alors, donc, la douche, c'est dans le ruisseau. Mais bien, c'est pourquoi pas. L'été, c'est vrai, l'été, c'est chaud, là, l'été. Allez, vas-y. Antoine nous invite à sa table avec un plat typiquement corse qu'il faut faire griller. Et pas de chance, retour au frais, c'est dehors que ça se passe. Qui est là. Parce que le feu, c'est à l'extérieur de la maison, c'est pas à l'intérieur. Mais non. Elle est trop facile. Voilà.
Ça, c'est un figatelle. Donc, c'est une saucisse de foie, c'est ça, hein? Oui, avec du foie, de porc. Et il y a de l'ail aussi, il y a des condiments? Ça dépend. De l'ail, des fois, il y a des gens qui n'aiment pas avec l'ail parce que ça donne un relent. Et alors donc, toi, il y a de l'ail ou il n'y a pas de l'ail? Il n'y a pas d'ail. Il n'y a pas d'ail. Voilà. Eh bien, alors comme ça, on va pouvoir aller en boîte de nuit ce soir. En boîte de nuit, comme ça, s'il n'y a pas de... Emballé, c'est pesé. Ils vont pouvoir s'embrasser. Mais il faut que tous les deux, ils mangent de l'ail. Hein. Ah ouais. Mais je suis sûr qu'il n'est pas cuit, ton figatelle, là. Il est... Oui, oui. Il est bien doré, là, ça fait un bon barbecue. Ah, bientôt. Comment il met les doigts dans le feu? Mais c'est fou, t'as mis les doigts dans le feu. Non, non. Tu es un fakir. Vas-y, rentre. Voilà. Mmh. C'est bon ça. Il y a la polenta qui est là. Ah, tu as fait la polenta? Oui, tu as fait la polenta, bien sûr. Oh, j'adore ça, j'en ai goûté une fois dans ma vie quand j'étais à Corté. On dirait un vrai pain. Oui, bien sûr. Donc ça, alors... c'est que de la farine de châtaigne et de l'eau. Oui, oui. Ça se coupe au fil. Au fil. Des, comment, tu coupes au milieu? Non, 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 des tranches. Attends. Tiens. Voilà. 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 Ah, ça, tu vois, maintenant... Tu vois, la Corse qui sommeille en moi s'est réveillée. Regarde. Et ce qui devait être un casse-croûte va se transformer en véritable festin. Elle est très bonne. Ah, voilà. Attends, elle a été coupée avec amour. Non, avec oui. Amour. Et tu as fait, on dirait que tu as fait tout ça pendant toute ta vie. J'attaque, hein. Ouais. Oui, vas-y, vas-y. On va te rattraper. Ouais, elle est bonne, la poulette. Elle est bonne parce que la texture est parfaite. Elle est souple. La saveur, c'est la châtaigne pure. Oui, oui, donc sucrée. Pure. Mmh. C'est le pain de... Il n'y a pas de mélange là-dedans. C'est le pain de la montagne. Moi, c'est le repas idéal. Hein. C'est pas compliqué. Mais un petit figatelle, un peu de brooch, un peu de fromage et un peu de vin. Un peu de vin. Et beaucoup d'amitié. Hein, on se chauffe au cœur des hommes. Allez. Allez, à salute. À salute. Le vin de la sueur des hommes. Ah, ouais. Si certains le mangent cru, c'est grillé à la braise que je préfère le figatelle. Il a le caractère bien corsé de ces montagnes. Mais c'est côté mer et sous un ciel plus clément que se poursuivent mes souvenirs de cuisine sauvage, à l'extrême sud de l'île, près de Bonifacio. Jean-Paul Bartoli, un ami et chef cuisinier expérimenté de la cité médiévale, m'avait invité à un repas en plein air, hors norme, au bord de l'eau. Et nous voilà à la Tonara. Bonifacio, c'est quand même la plage. Et un pique-nique à la mer, ça ne se refuse pas. Que la fête commence. Salut les amis! Salut Julie! Hey, elle est pas belle la vie à Bonifacio? Jean-Paul et ses copains ont aménagé la plage déserte avec un petit coin salon et un coin salle à manger avec une immense table. Mais pour le moment, je rejoins notre chef côté cuisine. Salut Jean-Paul! Bonjour! Et dis donc, c'est la première fois qu'on te demande de faire un truc pareil, non? Oui. Faire la cuisine sur la plage. C'est avec étonnement que je découvre la surprise de Jean-Paul, une cuisson sur galets dans un vieux tonneau en fer. En fait, c'est la chaleur qui a été emmagasinée par les pierres qui va faire bouillir la papillote. Et tu peux voir, donc... Ah oui, je vois là, ça frémit à fond. Des papillotes de légumes oubliés agrémentées d'une fine tranche de cédra confit, local. Et pour la préparation de son danti, un poisson des côtes méditerranéennes, Jean-Paul a une méthode bien à lui. Pendant que les galets chauffent sur la braise, il enferme le poisson entre deux plaques d'argile verte, comme on le ferait avec une croûte de sel, afin qu'il garde toute son humidité. Nous allons l'assaisonner d'une huile d'olive corse, il faut y aller généreusement, de Nepita, c'est-à-dire c'est l'équivalent un petit peu de la marjolaine un peu ailleurs, mais en Corse, c'est pas la marjolaine, c'est bien de la Nepita. Ensuite, on va mettre quelques baies roses et on va surtout le frotter d'une râpe d'agrumes, citron et orange. Une pincée de gros sel et le poisson est prêt à être recouvert de sa pâte d'argile en prenant soin d'intercaler une feuille de papier sulfurisé. Et c'est parti pour 1h15 de cuisson. On va enfourner notre danti, mettre au four.
Pour le denti de Jean-Paul, il vous faudra un denti de 3 kg ou une dorade, ça marche aussi, de l'argile en pâte, de l'huile d'olive vierge, un bouquet de marjolaine fraîche ou 2 cuillères à soupe si l'herbe est sèche, des baies roses et de la fleur de sel. Esta vera rinfiara erista cara bontà. Au salon, Jean-Paul m'a fait la surprise de convier Vincent, un jeune chanteur de Corse du Sud qui revisite la musique traditionnelle polyphonique en version folk. Allez, on passe à table ? C'est parti. On est parti. La table de pique-nique est digne des grands restaurants gastronomiques. Nous avons le soleil dans le dos et les pieds dans l'eau en prime. Le bonheur. Mais il me tarde de goûter le denti. Il faut quand même la casser. Ah oui, c'est vraiment dur, quoi. Oui, oui. Oh, j'adore cette cuisson. C'est vraiment la cuisine côté sauvage. Finalement, oui, ça enlève la peau en même temps. C'est comme une croûte de sel, d'ailleurs, c'est principe, qui entraîne la peau et les écailles. Je vais les faire et on va s'occuper de ça tout de suite. Et respect, parce que quand même, et ça a été entièrement fait sur la plage, sous vos yeux ébahis. Hey, Jean-Paul, ouais. Non mais Jean-Paul, sans blague, c'est extraordinaire. Hein. Jean-Paul. Mais ce qui est fou, c'est que l'argile a préservé l'humidité du poisson. Il n'est pas sec du tout. C'est incroyable. Mais surtout ce poisson que moi je connaissais pas tellement, oui. Il est très fin, hein. Oui, très. Il se rapproche un peu du bar, on pourrait dire, ou du mérou, parce qu'il est ferme quand même. Disons que le mérou, quand même, un goût un peu différent. Mais par contre, il se rapproche effectivement du bar. Oui. C'est quoi qui donne ce petit goût sucré un peu? Alors, j'ai mis du cédra, oui, j'ai oublié de vous dire. Dans la papillote, un peu de cédra. Le cédra, super bon, le cédra. On va le refaire. Ça, si c'est pas une assiette corse. Hein. Et peut-être qu'on pourrait se chanter une petite chanson, non? E questo è il fiore, quelques galets, des braises et un peu d'eau, la technique de cuisson millénaire qu'a reproduit Jean-Paul fait toujours ses preuves. Les plats que nous avons dégustés m'ont vraiment épaté. Et l'ambiance aussi. Ciao les Corses, c'est sur ces notes que je quitte votre belle île pour rejoindre le continent et les terres girondines. De reprendre le volant pour rejoindre à présent le Libournais pour une tradition que j'apprécie tout particulièrement, c'est celle des vignerons qui se rassemblent dans les vignes pour déguster des grillades cuites sur des sarments. Certains ont l'habitude d'organiser de grands repas pour leurs équipes et c'est Jean-Pierre Xiradakis qui nous cuisinait tout à l'heure les anguilles qui m'a donné les coordonnées de Bernard Lartigue qui est un de ses copains qui organise justement régulièrement des dégustations dans les vignes pour tous les amoureux de la grillade. Vous allez voir, ça vaut le détour. Au printemps. Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Au printemps, au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Ces banquets de plein air se passent autour des cabanes vigneronnes, vestiges d'une époque où culture et labour se faisaient manuellement. Toutes les filles vous donneront leurs baisers. Ces cabanes vigneronnes, elles étaient destinées, leur premier, c'était d'abord d'abriter les gens qui travaillaient. Les gens commençaient notamment l'été, très tôt le matin, dès que le soleil était levé, avec les animaux, les bœufs ou les chevaux ou les mules. Et puis au bout de 2 heures, il fallait prendre un peu de repos. Donc on étalait, l'animal y bagageait l'herbe
autour. Et puis le gars, il cassait une petite croûte, il buvait un coup de rouge. Moi, je me rappelle très bien mes grands-parents ramener toutes les victuailles à cette cabane pour faire manger les vendangeurs, avec les bêtes aussi, les vaches et les chevaux. Donc en fait, cette cabane, on y allait, oui, on y allait une fois par jour, puis on venait tard le soir et c'était toute une expédition. Si la fine équipe n'utilise plus ni bœufs ni chevaux, ils continuent en revanche de festoyer autour de la cahute. Et la cuisine se passe autour du feu de bois, des sarments de vigne. Leur combustion rapide crée des braises en un temps record. C'est délicieux. Ça, c'est nos grands-mères qui nous ont appris ça. Ah oui. Les sarments sont des sarments de l'année, donc ils ont un peu de sève, donc ils ont du mal à démarrer. Mais bon, il suffit qu'il y ait un peu de vent, un peu de bisesse, et hop. Le feu est prêt, le pique-nique peut démarrer avec les spécialités du cru. C'est gricandis, c'est de l'intestin de porc, bien sûr, qui a été lavé le plus proprement possible, et ensuite qui est grillé et qui va donner quelque chose de splendide à la dégustation. Super, ah ouais, génial, génial, ah ouais. Sentez ça, les amis. On en mangerait. Mais l'important, maintenant... l'important, c'est... Mais la pièce principale du repas, c'est elle. C'est vraiment la tradition, l'entrecôte à la bordelaise. Et je crois que ce que j'aime le plus, c'est quand c'est cuit comme ça à l'extérieur, parce qu'il y a un mouvement, grâce au vent, toujours, qui vient, disons, parfumer la viande. Donc, ça donne un goût encore plus important. Il faut que ce soit chaud à cœur, un peu saisi sur le dessus, de façon que ça puisse garder son jus à l'intérieur et pour qu'elle soit la plus goûteuse possible. Les pommes de terre rôtissent, elles, de leur côté. Elles cuisent très longuement, enveloppées dans ce papier alu, sous la braise et la cendre. Et normalement, au terme de 3 bons quarts d'heure, on a cette cuisson qui me semble être quasi parfaite. Même si on n'a pas faim, je peux vous dire que... Si. On va mettre un peu de... Voilà. Un peu de poivre. Ça, c'est un vin d'extrême convivialité, quoi. Qui fait partie de nos gènes médocains. Grâce au sarment, l'entrecôte se dote d'un goût subtil et d'un fumet inimitable. J'espère que cette tradition perdurera aussi longtemps que le raisin se récoltera. Alors, bon appétit, hein. Oh, what we're living in. Let me tell ya. Should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? On abandonne à présent le sud-ouest et ses vignes qui attendent l'été pour remonter au nord. Alors vous le savez maintenant, chaque voyage sur les routes de France se termine par une recette de chef. Et pour les grillades, je vais rencontrer Stéphane Reynaud qui officie à Montreuil. C'est un chef qui s'est passionné pour la cuisson à la plancha et au barbecue et qui est capable de cuisiner absolument tout ce qui lui passe entre les mains, mais sur le grill. Pour voir s'il peut vraiment tout cuisiner sur le grill, je lui ai demandé de nous préparer un dessert. Et toc. Get around town, gentlemen, it's the body's come down, the body comes down. Get around town, gentlemen, it's the body's come down, the body comes down. Après avoir officié pendant 9 ans dans un restaurant parisien, Stéphane Reynaud a créé le restaurant gastronomique Villeneuve 3. Un écrin de verdure propice à ses recettes de plein air. On va faire un dessert au barbecue. Parce que ce qui est sympa, quand on sort un barbecue, on commence au barbecue, on finit au barbecue. Donc on va faire l'idée de la pomme de terre qui est cuite dans la braise, mais avec une pomme, une Granny Smith, qu'on va venir garnir d'une crème d'amande avec un petit peu de cidre. Stéphane débute par la crème d'amande. C'est le même poids de poudre d'amande, de sucre semoule, de beurre fondu, dans lequel je vais rajouter 2 œufs. Vous voyez, c'est très compliqué. On mélange.
C'est un dessert qui est rapide. Parce que généralement, quand on fait un barbecue, l'idée, c'est qu'on soit autour du barbecue et que tout aille très vite, qu'on passe du temps avec les amis et non pas à préparer. Je vais prendre mes pommes. Donc, je vais faire une petite assise pour qu'elles tiennent bien en place comme ça. Et je coupe le haut de la pomme. Voilà, donc on a nos deux bases de pommes qu'on va venir évider. Et je vais juste récupérer, voyez, l'autre oignon pour boucher ma pomme. Voilà. Donc on vient garnir généreusement la pomme de la crème d'amande qui va amener ce côté bien moelleux à la cuisson. Donc l'idée, c'est de la garder un petit peu au frais pour qu'elle reprenne un peu du corps, parce que le beurre va se refiger en la gardant au frais, et vous arrivez mieux à la positionner, l'étaler, comme vous le souhaitez. Et on vient recouvrir du chapeau. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer nos papillotes. Donc pour ça, je vais utiliser de l'aluminium, parce que je vais vraiment le cuire dans la braise, comme cette idée, encore une fois, de pommes de terre cuites dans la braise. Mais ceux qui ont peur de l'aluminium, ils peuvent exactement faire la même chose dans du papier sulfurisé. Vous faites une papillote. Par contre, vous venez le mettre sur la grille. Sinon, le papier sulfu va brûler. C'est une catastrophe. Je double la feuille. Je vais mettre ma pomme au milieu. Je remonte le tout. On va faire un petit nid dans lequel on va mettre un petit peu de cidre. Toujours généreux sur le cidre, c'est bien. On rajoute une bonne noix de beurre. Il agrémente le cidre d'amandes effilées et de raisins secs, mais recommande de laisser libre cours à l'imagination. Voilà, vous pouvez mettre des pruneaux, des abricots secs, des figues. C'est vraiment là où vous vous amusez. Une recette, c'est fait pour ça. On vous donne un guide et vous vous l'appropriez. Donc je viens fermer tout ça. J'aime beaucoup ce dessert parce que c'est un dessert qui n'est pas trop sucré. C'est uniquement la crème d'amande qui va apporter ce petit côté sucré. Il y a l'acidité de la Granny Smith qui vient balancer, le cidre, les petits raisins. Donc c'est un bel équilibre. Donc là, on est prêt pour aller au barbecue. Vous préparez ça le matin, mettez ça dans votre frigo et puis au moment du dessert, 10 minutes avant, vous mettez ça dans vos braises et après, tout va bien. J'adore les bonnes braises. Nos braises sont prêtes, sont à point. On va déjà en mettre une, comme ça. On fait toujours trop de braises. Donc les petites braises qui restent à la fin, au moins elles vont servir à quelque chose. Je vais vous utiliser des bananes, faire des petites prunes au barbecue avec un peu de miel, du romarin. Vous allez prendre le romarin dans votre jardin, vous mettez ça. Encore une fois, c'est tout simple, c'est en 5 minutes, c'est préparé. 10 minutes plus tard, les pommes sont à point. Donc là, elle commence juste à fondre, la pomme. Elle garde encore sa forme. Avec tout le jus qu'on va bien garder au fond, ben voilà, ça a l'air juste parfait. Donc là, on va venir napper notre pomme avec ce jus, ces petits raisins. Pour un peu plus de gourmandise, il ajoute une chantilly vanillée montée au mascarpone. Ça marche bien. Ça marche très, très bien. Merci Stéphane. Cette recette permet de clôturer ce voyage sur une belle note braisée et sucrée. Bon, évidemment, si vous voulez vous aussi vous essayer à cette recette, eh ben, je n'aurai qu'un conseil, n'hésitez pas. Ça n'a pas l'air si compliqué, pas besoin de cheminée, juste un barbecue et quelques braises. Voilà, c'est la fin de nos carnets, en tout cas pour aujourd'hui. On l'a vu, il y a autant de manières d'accommoder les cuissons au feu que de pays. Tex-Mex, broche, brochette, fumage au bois, plancha, teriyaki, méchoui, etc. Alors j'espère que cela vous aura donné plein d'idées pour préparer des barbecues originaux pour l'été. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux carnets.